Bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur votre émission. Vous êtes en direct sur Réveil TV, sur votre émission Retour à la parole. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces temps d'édification. Yahweh, nous croyons que tu vas davantage parler à ton peuple, que tu vas une fois de plus nous enseigner ta parole, Seigneur, pour nous rendre agréables à toi, Père, car tu dis dans ta parole que tu venais chercher une église sans tache, ni rien, ni rien semblable. Papa, nous prions, Père, que tu réveilles, Seigneur, les vierges sages, Père, afin que, Seigneur, l'église, ton église se prépare à ton retour, au nom de Yeshua. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en direct sur votre émission Retour à la parole, bien sûr sur Réveil TV. Et je crois que pendant ce moment, le Seigneur parlera davantage encore à nos cœurs. Il va nous interpeller parce que les temps sont mauvais et nous pouvons voir tout ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Non seulement dans le monde et ainsi que dans ce pays où il y a des kidnappings, il y a des choses horribles qui se passent dans la nation. Et je crois que dans ces temps, n'est-ce pas, il faut que l'Église s'élève. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, lors de notre dernière émission, on parlait des rôles, n'est-ce pas, des sentinelles aussi. Dans les temps difficiles, n'est-ce pas, alors Dieu établit des hommes, n'est-ce pas, et des femmes pour crier à lui, pour prier. Pourquoi? Parce que les ténèbres, n'est-ce pas, gagnent davantage, n'est-ce pas, les cœurs gagnent les vies et le monde est complètement dans le chaos. Et il faut que les sentinelles, n'est-ce pas, s'élèvent pour crier à Yahweh afin que notre Seigneur étende sa main pour non seulement rassurer, n'est-ce pas, son peuple et aussi, n'est-ce pas, pour nous garder face au piège, n'est-ce pas, que l'ennemi met davantage devant nous pour amener l'homme à demeurer davantage, n'est-ce pas, dans le péché et dans le péché et aussi loin de son créateur. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre comme texte d'appui, n'est-ce pas, Jean chapitre 4, Jacques chapitre 4. Alors, nous allons parler, n'est-ce pas, des obstacles de la prière. Pourquoi? Parce que dans les temps difficiles, n'est-ce pas, dans ces temps assez compliqués, nous devons comprendre que le rôle de l'Église, n'est-ce pas, est de crier, de prier, d'intercéder. Et beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, ne comprennent pas que c'est nécessaire. Et pour prier, n'est-ce pas, nous avons une attitude à avoir afin que nos prières, n'est-ce pas, soient agréées, n'est-ce pas, ou encore agréables, n'est-ce pas, par notre Créateur, Yahweh, notre Dieu. Et dans Jacques, au chapitre 4, la Bible nous dit à partir du verset 1, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En fait, la parole de Dieu, la parole de Yahweh nous dit que nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal. Or, nous sommes dans un temps assez critique où les chrétiens, n'est-ce pas, doivent savoir comment il faut prier. Comment est-ce que, n'est-ce pas, nous devons faire en sorte que nos prières soient efficaces. Vous savez, notre Dieu, quoi qu'il soit bon, quoi qu'il soit un bon père, ce n'est pas n'importe quelle prière, n'est-ce pas, que notre Seigneur, n'est-ce pas, va exaucer. Vous voyez, nous voyons davantage aujourd'hui dans les assemblées dites des réveils, comment beaucoup prient, n'est-ce pas, le retour à l'envoyeur, on envoie le feu aux sorciers, aux démons, à nos familles. Vous voyez, ce ne sont pas forcément des prières, n'est-ce pas, qui plaisent au Seigneur. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa parole, nous enseigne comment il faut prier afin que nos prières soient efficaces. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de prier efficacement parce que nous voulons que les choses changent au milieu de nous. Tellement que le monde va mal, tellement que le péché bat son comble, tellement que le monde, les hommes deviennent de plus en plus méchants. Voyez, il faut que on prie pour que, n'est-ce pas, la puissance du Seigneur intervienne pour libérer, n'est-ce pas, les hommes, n'est-ce pas, des mains, hein, du diable. Alors, et Jacques nous dit, n'est-ce pas, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voyez un peu. Donc, l'une des choses qui pousse à ce que nos prières ne soient pas exaucées, c'est parce que nous prions mal. C'est parce que nous voulons satisfaire, n'est-ce pas, nos désirs égoïstes. Et ce n'est pas ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande de faire. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons voir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut être, quelles sont, n'est-ce pas,
les points qui peuvent constituer des obstacles, jusqu'à ce que nos prières, n'est-ce pas, ne soient pas efficaces. Rendre nos prières, n'est-ce pas, infructueuses, n'est-ce pas, face à notre Créateur, à notre Yahweh, à notre Dieu Tout-Puissant. Alors, Matthieu chapitre, on va prendre encore nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Évangile de Matthieu au chapitre 5. On va lire à partir du verset 23. Alors, il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » La parole, ici, Jésus nous enseigne quelque chose de fondamental concernant la prière. Il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Jésus nous demande, n'est-ce pas, de laisser l'offrande. » Vous voyez, l'offrande aussi, n'est-ce pas, c'est l'image aussi des prières qu'on peut adresser à Yahweh, à notre papa. Il dit, si tu te souviens, n'est-ce pas, ici Dieu parle, n'est-ce pas, à celui qui se présente, n'est-ce pas, devant l'autel, n'est-ce pas, pour offrir, pour prier, pour crier, n'est-ce pas, pour crier, n'est-ce pas, devant son Dieu, qui se retrouve, n'est-ce pas, au pied, n'est-ce pas, devant, au pied du Messie, pour prier, ou un peu pour soumettre, pour présenter une requête à son Créateur. Et il dit que même pendant que tu es en train de présenter cette requête, et que là, toi, tu te souviens dans ton cœur, n'est-ce pas, que tu as un problème avec ton frère. Et ici, Yehoshua nous dit, laisse la prière, n'est-ce pas? Va d'abord régler, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de continuer à prier. Or, aujourd'hui, pour beaucoup, n'est-ce pas, d'enfants de Dieu, les cœurs sont devenus aussi comme des prisons, où plusieurs personnes, n'est-ce pas, sont emprisonnées, sont gardées dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont offensés, il y a des gens qui nous ont blessés. Alors, l'offense, n'est-ce pas, constitue un danger qui nous empêche de ne pas voir nos prières. En fait, l'offense, n'est-ce pas, rend nos prières, n'est-ce pas, pousse à ce que nos prières ne puissent pas avoir un impact, ne puissent pas, n'est-ce pas, être agréées, n'est-ce pas, par notre Dieu, par notre Créateur, par Yahweh. Vous voyez? Et ici, Jésus dit, si tu te souviens, n'est-ce pas, que tu as un problème avec ton frère. Or, nous vivons, n'est-ce pas, dans une société où nous sommes constamment, n'est-ce pas, en contact avec des gens. Ça peut être les gens de notre famille ou les gens avec qui nous travaillons ou bien dans nos établissements. Et parfois, les relations ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas toujours évident. Ça veut dire que quelqu'un peut te libérer une parole, peut te sortir une parole et qui peut t'offenser. Et tu vois qu'à l'instant où tu es blessé dans ton cœur, tu es offensé, tu vois, tu peux facilement, n'est-ce pas, garder cette personne dans ton cœur. Et pour prier encore pour cette personne-là peut devenir difficile, peut devenir assez compliqué. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a besoin d'abord, n'est-ce pas, avant de prier, avant de demander quoi que ce soit à Yahweh, alors tu dois te rassurer, n'est-ce pas, que dans ton cœur, tu ne gardes personne, tu ne gardes personne en prison dans le cœur. Vous voyez? Et ici, Yehoshua nous dit, et laisse, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous voyez? Donc, il nous demande, n'est-ce pas, il nous dit de laisser d'abord l'offrande. Vous voyez un peu, de laisser l'offrande, c'est l'image de la prière. De laisser l'offrande, n'est-ce pas, de laisser la prière et aller d'abord se réconcilier avec ton frère. Vous voyez? Or, aujourd'hui, n'est-ce pas, pour beaucoup, le fait d'être en paix avec ton prochain importe peu. Ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est de crier à Dieu, de prier parce que nous avons besoin d'obtenir des choses, n'est-ce pas? Nous voulons que notre Père, notre Seigneur nous donne des choses et l'état de notre cœur nous intéresse peu. Or, avant, n'est-ce pas, avant que notre Dieu, notre Yahweh, notre Papa Céleste nous exauce, alors il regarde aussi l'état de notre cœur. Alors, ce soir, nous allons partager là-dessus. Ça veut dire l'offense. L'offense, n'est-ce pas, est une blessure du cœur qui émane, n'est-ce pas, d'une injure, d'une injustice, ou bien d'une injure qu'on a reçue d'un proche ou bien d'une personne. Et l'offense, n'est-ce pas,
constitue un obstacle à l'exaucement de notre prière. Enfin, si beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas exaucés, mais c'est parce que, en fait, c'est des gens qui ont les cœurs blessés, des gens qui ont les cœurs offensés, des gens qui gardent d'autres personnes, n'est-ce pas, en prison dans leur cœur. Et on a besoin, n'est-ce pas, au travers de la parole, au travers de l'enseignement de ce soir, n'est-ce pas, de nous examiner et de voir réellement si dans nos cœurs, nous avons gardé des gens en prison, des gens qui nous ont offensés, des gens qui nous ont fait du mal. Et nous devons les libérer, nous devons les libérer. Pourquoi? Parce que à la longue, nous allons comprendre que c'est quelque chose de nécessaire, c'est un principe divin. La parole de Dieu nous dit, si tu ne pardonnes pas, n'est-ce pas, les offenses des autres, alors tu ne pourras pas aussi obtenir miséricorde devant notre Créateur, devant ton Créateur, devant Yahweh. Et dans Matthieu au chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, Yahweh nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au verset 7, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez, la parole de Dieu, Yeshua ici nous dit, n'est-ce pas, que lorsque, quand nous prions, nous ne sommes pas obligés à multiplier les vaines paroles, à multiplier les vaines paroles. Pourquoi? Parce que notre Père céleste, Yahweh, sait ce dont nous avons besoin. Ça veut dire qu'avant même de t'engager, n'est-ce pas, d'aller prier, de prendre des temps de prière, d'aller demander quoi que ce soit à Yahweh, il sait déjà ce dont tu as besoin. Il connaît les besoins, n'est-ce pas, de ses enfants. C'est un bon papa, c'est un bon père. Vous voyez, donc, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de jouer des jeux devant le Seigneur, d'avoir une attitude qui est fausse. Parce que notre papa, notre Yahweh, notre Créateur est celui qui sonde les reins et les cœurs, comme, n'est-ce pas, le dit la parole, comme le disent les Écritures, vous voyez. Il connaît, n'est-ce pas, ce dont nous avons besoin. Il connaît l'état de ton cœur. Donc, ça veut dire que s'il connaît ton besoin, c'est qu'il sait aussi, n'est-ce pas, les maux, les douleurs, n'est-ce pas, que ton cœur a pu subir, que ton cœur, n'est-ce pas, ressent en ce moment. Vous voyez, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc, c'est nécessaire, n'est-ce pas, de nous présenter devant notre Créateur, devant notre Papa, avec un cœur pur, avec un cœur lavé, avec un cœur transformé, avec un cœur soigné, n'est-ce pas, par la parole et par la puissance de l'Esprit de Yahweh. Alors, donc, nous comprenons qu'en fait, pour que les prières des saints soient aussi efficaces dans ces temps de la fin, vous voyez, alors nous avons besoin d'avoir des cœurs restaurés, des cœurs guéris. Parce que nous sommes tellement, n'est-ce pas, confrontés aux gens qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous critiquer, nous attaquer injustement. Et vous savez, c'est pas des choses faciles à digérer. Vous voyez, lorsque vous faites autant du bien aux gens et qu'en retour vous recevez des calomnies, des critiques, des murmures, c'est des choses qui peuvent facilement affecter nos cœurs. Et si on ne veille pas, vous voyez, on peut nous retrouver, n'est-ce pas, dans une situation où facilement on aura du mal à pardonner, parce qu'on vit dans un monde ingrat, un monde assez méchant, un monde où lorsque nous nous efforçons, lorsque tu t'efforces à faire du bien, mais les gens en retour, n'est-ce pas, se préparent à te rendre du mal. C'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, enfant de Yahweh, nous devons veiller, n'est-ce pas, veiller à ce que nous ne puissions pas tomber, n'est-ce pas, dans les pièges que l'ennemi met devant nous, abîmer nos cœurs, n'est-ce pas, par des blessures à cause de la méchanceté que nous recevons des gens. Non, nous devons pardonner et le pardon est nécessaire. Le pardon est vraiment nécessaire pour que nous ayons, n'est-ce pas, des vies de prière efficaces. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Yahweh, nous devons pardonner et pardonner de tout notre cœur. Pas pardonner comme les hommes veulent, voyez, mais pardonner comme la parole de Dieu, la parole de Yahweh nous le demande. Pardonner, n'est-ce pas, comme notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, Hamashiach. Voyez un peu. Alors, et au verset 9, la parole de Dieu dit, et voici donc comment vous devez prier.
Oui, les disciples vont demander à Yeshua, Seigneur, enseigne-nous comment il faut prier. Il dit, voici, n'est-ce pas, comment vous devez prier. Il dit, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Au verset 14, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi ne vous pardonnera pas. Voyez? Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père aussi ne pourra pas vous pardonner. Et si vous pardonnez aux hommes, n'est-ce pas, leurs offenses, votre Père céleste aussi ne vous, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Voyez? Donc ça veut dire que c'est nécessaire de pardonner. Or, voyez, vu un peu la méchanceté qui gagne davantage les hommes, voyez, ce n'est pas toujours évident. Mais ici, Yeshua, n'est-ce pas, dans sa parole, nous dit que nous devons pardonner. Comme aussi en retour, lorsque nous offensons Dieu en péchant notre Papa céleste, lorsque nous l'offensons, n'est-ce pas, nous avons besoin, n'est-ce pas, que Yahweh nous pardonne. Et en retour aussi, n'est-ce pas, Yahweh nous enseigne dans sa parole que nous devons aussi, n'est-ce pas, pardonner les gens qui nous offensent. Parce que nous sommes toujours parfois entourés des gens qui ont toujours des mauvaises intentions, qui nous offensent, qui nous font assez du mal. Vous voyez un peu? Et ici, Yeshua, dans sa parole, nous dit que nous devons pardonner. Il dit, si nous ne pardonnons pas, alors nous n'attendons pas aussi à recevoir le pardon de notre Créateur, de Yahweh. Vous voyez un peu? Alors, donc, nous devons pardonner. Et c'est nécessaire. Alors, et nous constatons, n'est-ce pas, combien de fois, lorsqu'on écoute même les cieux de prière des chrétiens dans beaucoup d'assemblées, on a comme l'impression, n'est-ce pas, que les cœurs sont remplis de haine. Ouais, le retour à l'envoyeur. Vous voyez, détruire, n'est-ce pas, les membres de notre famille en envoyant le feu, ainsi de suite. Vous voyez, ce ne sont pas des prières qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ces prières-là, n'est-ce pas, ont un sens. Ça veut dire, c'est de nous venger des blessures qu'on a pu subir, des injustices, n'est-ce pas, qu'on a subies. Vous voyez? Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Oui, la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas, de pouvoir pardonner. Et pardonner, n'est-ce pas, est un acte qui est produit par l'action du Saint-Esprit dans le cœur des véritables enfants de Dieu. Vous voyez un peu, ici, ce soir, nous parlons une fois de plus à ceux qui ont reçu d'abord Yéhoshua dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont expérimenté la naissance d'en haut. Parce que lorsque tu n'as pas reçu Yéhoshua dans ton cœur, tu ne peux pas pardonner parce que le pardon est d'abord un acte divin qui est produit, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu dans le cœur de l'homme. Et sinon, on va pardonner selon le monde. Ça veut dire que selon le monde, ce n'est pas un véritable pardon. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte on peut facilement, n'est-ce pas, revenir sur les faits que les gens, sur le tort que les gens, n'est-ce pas, ont pu causer, n'est-ce pas, dans notre vie, dans le passé. Facilement, lorsque quelqu'un repose encore un acte, alors tu vas réveiller, n'est-ce pas, la vieille blessure qui est dans ton cœur concernant la personne. Or, ce n'est pas ce que, n'est-ce pas, les Écritures nous demandent de faire. Les Écritures nous disent de pardonner. Et pardonner, ça veut dire oublier et passer à autre chose. Et l'Église doit comprendre que, en fait, c'est nécessaire aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on laisse Yahweh guérir nos cœurs, quoi, des offenses, guérir nos cœurs des blessures qu'on a reçues, qu'on a subies, n'est-ce pas, de nos proches, pour être efficace, pour prier et voir, n'est-ce pas, notre Dieu agir efficacement, n'est-ce pas, intervenir puissamment. Voyez un peu, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir des cœurs guéris, d'avoir des cœurs guéris. Oui, et Jacques nous disait tout à l'heure que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons, hein, nous prions mal dans le but de satisfaire nos passions. Oui. Vous voyez? Donc, notre Dieu veut nous exaucer, il veut agir, il est pressé d'agir. Mais les chrétiens parfois ne savent pas comment prier. Les chrétiens parfois ne se rendent pas compte qu'il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui constituent des obstacles, n'est-ce pas? Et qui poussent à ce que leur prière, n'est-ce pas, ne puisse pas monter, leur prière, n'est-ce pas, ne soit pas exaucée. Et l'un des obstacles, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est l'offense. L'offense. Et Yeshua nous dit, si nous ne pardonnons pas, n'est-ce pas, les offenses que nous avons subies,
alors nous ne recevons pas aussi le pardon de notre papa Yahweh lorsque nous allons aussi l'offenser. Et si Yahweh ne nous pardonne pas, alors où est-ce qu'on obtiendra en retour le pardon? Nulle part ailleurs. Nous avons besoin de recevoir, n'est-ce pas, le pardon de notre papa, de notre Seigneur, de notre Créateur. Vous voyez? Et en retour, il nous dit, il est aussi nécessaire, n'est-ce pas, de comprendre que nous devons aussi pardonner. Parce que Yahweh sait que ce n'est pas facile pour l'homme de pouvoir pardonner. On a toujours tendance à vouloir rendre le mal par le mal. Lorsque quelqu'un t'a fait du tort, lorsque quelqu'un t'a fait du mal, alors en retour, tu veux rendre aussi la monnaie. Et Yeshua nous enseigne dans sa parole que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas agir ainsi. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est fondamental de nous conformer aux Écritures. Parce qu'on aura besoin, un temps soit peu, n'est-ce pas, de l'intervention de notre Dieu, de notre Créateur, n'est-ce pas, de Yahweh dans notre vie. Vous voyez? Et ici, il nous prépare, n'est-ce pas, il nous enseigne, n'est-ce pas, les contours d'une prière efficace. Comment est-ce que nous devons prier, n'est-ce pas, et voir le résultat, n'est-ce pas, de ces prières-là s'est manifesté efficacement. Alors c'est quoi? C'est le pardon des offenses. Alors en retour, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'obtenir le pardon, n'est-ce pas, de notre Créateur, de Yahweh. Et nous devons aussi pardonner nos frères et sœurs qui nous offensent. Sinon, alors on ne pourra pas pleinement expérimenter la puissance de notre Créateur, la puissance de Yahweh. Et nous devons pardonner. Mais ce n'est pas évident. Alors, mais c'est possible par l'action du Saint-Esprit en nous. Alors, frères et sœurs, toi qui me suis ce soir, toi qui es en direct, alors, certainement dans ton cœur, tu as été blessé, tu as été offensé, tu as été déçu, tu t'es senti rejeté par des gens que tu as aidés, des gens que tu as soutenus. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ne reste pas dans ta position. Vous voyez, Dieu, Yahweh, dans ces temps de la fin, vous voyez, a besoin d'une église forte, a besoin d'une église vivante. Et une église vivante, n'est-ce pas, c'est une église, n'est-ce pas, qui marche non pas selon les émotions de la chair, mais qui est conduite par l'esprit de Yahweh, qui marche selon l'esprit. Et la puissance de l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste dans l'amour. Et le pardon, n'est-ce pas, est un fruit aussi de l'amour. Ça veut dire que quand on n'aime pas, si tu n'as pas l'amour de Yahweh en toi, imprégné dans ton cœur, alors tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner, n'est-ce pas, comme Yahweh nous le demande dans sa parole. Ce n'est pas possible. Vous voyez, il y a le pardon, il y a la conception du pardon, n'est-ce pas, selon les hommes et aussi, n'est-ce pas, selon Dieu. Mais quand Yahweh nous parle du pardon, ça n'a rien à voir avec la conception humaine. Vous voyez un peu? Il veut nous enseigner, n'est-ce pas, de pratiquer le pardon, n'est-ce pas, selon lui, selon sa volonté. Alors, et c'est des choses, n'est-ce pas, que nous avons besoin de comprendre. Parce que nous voulons travailler efficacement, n'est-ce pas, avec notre Créateur, avec notre Papa, avec Yahweh. Nous voulons agir efficacement. Je vous disais tout à l'heure en entrée, n'est-ce pas, le monde va tellement mal. On voit combien de fois, n'est-ce pas, le mal gagne des cœurs, que le mal gagne des gens, que nous voulons crier à Yahweh afin que les âmes soient libérées, n'est-ce pas, des démons qui les tiennent assujettis. Vous voyez comment les gens vont kidnapper les enfants pour aller faire des crimes rituels, pour aller les sacrifier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir quelques billets d'argent. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Vous voyez, ce que nous vivons dans ces temps de la fin, c'est grave. Le péché bat son comble. C'est compliqué. Les cœurs deviennent de plus en plus endurcis. Et le rôle de l'Église aussi, c'est de prier afin que Yahweh puisse briser, n'est-ce pas, les forteresses dans lesquelles beaucoup de personnes se trouvent. Voyez, il faut que l'Église prie. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu aussi, n'est-ce pas, nous a donné la responsabilité d'être des sentinelles. Voyez, une sentinelle, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui sent le danger venir et qui fléchit les genoux, qui intercède, qui prie afin que le Créateur, afin que Yahweh étende sa main. Parce qu'il n'y a que Yehoshua, il n'y a que Yehoshua qui est capable d'agir en ce moment, de sauver les hommes, de libérer les gens, n'est-ce pas, de l'esclavage du péché, de la captivité, n'est-ce pas, dans laquelle beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se trouvent. Parce que le monde va mal. À cause de l'argent, quelqu'un est capable, n'est-ce pas, de vendre ses enfants. À cause de l'argent, quelqu'un est capable, n'est-ce pas, de livrer sa femme. Vous voyez, de livrer, n'est-ce pas, son père, sa mère. De livrer, n'est-ce pas, son frère. Vous voyez un peu, le monde va mal. Il y a tellement le chaos qui s'installe
Parce que le diable est en train de détruire les âmes, est en train de détruire l'homme. Et il y a que Yehoshua, voyez un peu, Jésus de Nazareth, qui est capable de pouvoir agir pour libérer les hommes de ces forteresses. Et pour que notre Dieu agisse, alors il a établi l'église, n'est-ce pas? Paul nous dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Il a établi l'église, n'est-ce pas, non seulement d'intercéder et d'annoncer l'évangile véritable, la parole de la vérité, voyez un peu, et qui a un seul fondement, n'est-ce pas, si ce n'est Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et si cette église, n'est-ce pas, si l'église a besoin de prier et avoir des prières fortes, alors c'est une église, n'est-ce pas, qui doit marcher selon les principes bibliques et non pas selon les traditions et les coutumes des hommes. Vous voyez, qui nous recommande d'envoyer le feu à prier pour la mort de nos ennemis. Vous voyez, tout cela, n'est-ce pas, révèle combien de fois les cœurs sont malades. Hein? Je me rappelle dans une assemblée, que je vais te le nom ici, il y a une jeune sœur qui donnait un sujet de prière et qui demandait à ce qu'on prie afin que sa maman meure, parce que soi-disant pour elle, sa maman était sorcière. Vous voyez, c'est des choses qui sont récurrentes dans nos assemblées, vous voyez, mais parfois qu'on ne recadre pas. Or, ce type de sujet de prière, n'est-ce pas, révèle combien de fois le cœur, n'est-ce pas, des gens, les cœurs sont malades, vous voyez. Et ce n'est pas ce que la Bible, n'est-ce pas, nous recommande. Ce n'est pas ce que les Écritures nous recommandent. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais c'est plutôt que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il se réconcilie avec Yahweh, avec son Créateur. Vous voyez, donner un sujet de prière qui dit que non, je veux que maman meure parce que, soi-disant, elle est sorcière, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas trop poussé par l'amour. Quoique nous savons que le mal aujourd'hui bat son comble, le mal règne. Or, que nous disent les Écritures? Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais c'est contre les esprits qui sont derrière. Ça veut dire que ces personnes qui posent des actes-là sont parfois liées par des démons qui leur poussent à agir ainsi. Quoique l'homme aussi, d'une manière délibérée, refuse aussi de se soumettre ou de suivre, n'est-ce pas, la volonté de son Créateur. Mais le diable ne fait que profiter de la faiblesse de l'homme pour accentuer, pour venir, n'est-ce pas, le mettre dans un état de péché qui le pousse à poser des actes horribles. Vous voyez? Et Dieu, n'est-ce pas, aime l'homme. Alors, il veut libérer l'homme. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, l'Église doit prier. L'Église doit prier et prier efficacement. Vous voyez, pour que les chaînes tombent, pour que les vies soient complètement libérées. Vous voyez, c'est assez compliqué. Vraiment, parfois, même lorsque nous circulons un peu dans nos routes, on voit combien de fois, n'est-ce pas, le péché gagne les gens, comment les gens sont enchaînés, comment les gens ont besoin, n'est-ce pas, d'être libérés. Et il n'y a que l'Église, n'est-ce pas, qui est capable de pouvoir prier, parce que Yehoshua, n'est-ce pas, a dit que ma maison sera une maison de prière. Et l'Église doit prier. Nous devons prier, n'est-ce pas, pour le salut des âmes. Nous devons prier pour nos autorités. Regardons combien de fois, parfois même, nos autorités ont du mal, n'est-ce pas, à trouver des solutions. Vous voyez, on se demande même, mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas, Yahweh, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez un peu, ce sont des hommes qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être soutenus aussi par des prières. Il faut que l'Église prie. Et Paul le dit, il dit, priez, n'est-ce pas, pour les autorités, afin que le Seigneur, n'est-ce pas, touche leur cœur, pour qu'ils ne se laissent pas influencer par les esprits méchants, n'est-ce pas, qui travaillent dans le but de pervertir l'homme, d'éloigner davantage l'homme des voies du Créateur. Il faut que l'Église prie. Et maintenant, si l'Église ne prie pas efficacement, comment est-ce que nous allons voir nos familles libérées, nos sociétés, n'est-ce pas, être transformées? Ce sera assez difficile. Comment est-ce que nous allons voir, n'est-ce pas, les âmes quitter le péché? Ce serait compliqué. Oui, c'est compliqué. Alors, d'où aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, les assemblées sont remplies de personnes. Vous voyez, lorsqu'on voit le nombre de personnes, on est émerveillé, mais lorsque nous rentrons dedans, nous constatons que mais beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup n'ont pas des cœurs régénérés, des cœurs transformés par l'Esprit, par la parole de Yeshua, par la parole de Yahweh. Vous voyez, les cœurs ne sont pas transformés. Vous voyez, c'est ça. Les bâtiments sont remplis, n'est-ce pas, des inconvertis. Vous voyez, des gens qui ont la haine dans le cœur, des gens qui traînent des blessures, des gens qui ont subi, n'est-ce pas, des chocs. Et quand ils vont dans des assemblées, alors leur but, n'est-ce pas, en retour, c'est quoi? C'est de rendre, n'est-ce pas, la monnaie de la pièce par rapport à ce qu'ils ont enduré, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Vous voyez un peu? Et ça,
De telles situations, de telles personnes ne peuvent pas, n'est-ce pas, former une église forte, une église influente. Or, l'église a pour but d'influencer, l'église a pour but, n'est-ce pas, de manifester, non seulement de présenter et au choix, n'est-ce pas, et aussi, n'est-ce pas, au travers de la vie de l'église, voyez un peu. Et quand je parle de l'église ici, ce n'a rien à voir avec un bâtiment. Vous voyez, l'église, ce n'est pas un bâtiment, comme nous le connaissons tous, je le crois bien. Vous voyez un peu, selon les Écritures, l'église, c'est toi et c'est moi. Dans 1 Corinthiens 3,16, vous voyez un peu, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Yahweh. Vous voyez un peu, voilà, c'est toi, c'est nous, l'église. Vous voyez, et si, n'est-ce pas, nous n'avons pas de cœur transformé, comment est-ce que nous pouvons être cette église, n'est-ce pas, sur laquelle le Seigneur peut compter pour changer nos nations, pour toucher, sauver nos familles. Ce serait compliqué. Vous voyez, beaucoup ont des cœurs abîmés. Beaucoup rentrent dans des assemblées avec des cœurs abîmés. Beaucoup ont touché, beaucoup ont été abusés. D'autres ont subi, n'est-ce pas, le rejet, hein, venant de leur famille. Vous voyez un peu, beaucoup ont été complètement abandonnés. Vous voyez, délaissés. Les cœurs sont abîmés. Or, le but, n'est-ce pas, de l'Église, vous voyez un peu, hein, et de présenter la parole, de présenter Yéhoshua, ouais, un peu, présenter les gens Yéhoshua, afin que les gens se convertissent à Yéhoshua et ensuite que ces personnes-là soient transformées. Et c'est lorsque nous sommes transformés, ouais, un peu, que nos cœurs, n'est-ce pas, notre cœur subit un changement et par là, on peut pleinement comprendre, voyez, la mission pour laquelle le Seigneur nous a libérés et ce que le Seigneur attend de nous. C'est de sauver les âmes. Mais on ne peut pas sauver les âmes, n'est-ce pas, avec des cœurs malades, avec des cœurs qui gardent les offenses, avec des cœurs blessés. Non, nous avons besoin, n'est-ce pas, de laisser Yéhoshua, voyez, notre Dieu tout-puissant, n'est-ce pas, notre Créateur, voyez, transformer nos vies, voyez, au moyen de sa parole. Parce que c'est la parole, n'est-ce pas, qui transforme les vies. C'est la parole, n'est-ce pas, qui nous change. Beaucoup de chrétiens ne méditent plus. Beaucoup de chrétiens ne prennent plus le temps, n'est-ce pas, de méditer. Vous voyez, ils veulent prier. Or, pour que nos prières soient efficaces, nous devons prier selon ce qui est écrit dans la parole. Vous voyez, or, avant, n'est-ce pas, de vouloir t'élever prier, la parole de Dieu va d'abord produire, va d'abord faire son effet dans ton cœur. La parole de Dieu va d'abord te révéler, n'est-ce pas, à quel niveau il y a un souci, à quel niveau il y a un problème. La parole de Dieu va transformer, va réparer cela, bien sûr, par l'action puissante de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? La parole de Dieu doit avoir son effet dans nos cœurs. Parce que pour que nos prières soient efficaces, n'est-ce pas, nous devons prier selon les Écritures, selon ce qui est écrit dans la parole. Et si nous ne méditons pas la parole, si nous ne prenons pas le temps de méditer la parole de Dieu, mais comment est-ce que, n'est-ce pas, nos prières peuvent être efficaces? Comment est-ce que nous pourrons impacter le monde? Comment est-ce que nous pourrons prier, n'est-ce pas, et voir ces personnes qui sont liées, n'est-ce pas, par des démons, qui sont liées, n'est-ce pas, par des démons, quitter la franc-maçonnerie, quitter la loge, quitter la rose-croix? Comment est-ce qu'on peut expérimenter, n'est-ce pas, la puissance de Dieu agir ainsi? Ce serait difficile, parce que d'abord, nous-mêmes, nous allons constituer un obstacle, n'est-ce pas, pour l'action puissante de Dieu au travers de notre vie. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, de laisser Yéhoshua transformer nos cœurs, changer nos cœurs, transformer nos cœurs, guérir les blessures de nos cœurs, les blessures que nous avons subies, certainement, de nos époux ou de nos épouses, ou de nos parents, de nos frères et sœurs, ainsi de suite. Vous voyez un peu, on a besoin, n'est-ce pas, de laisser Yéhoshua, n'est-ce pas, guérir nos cœurs, et ensuite, n'est-ce pas, rentrer dans son plan parfait, dans le plan, n'est-ce pas, qu'il a décidé de faire au travers de notre vie. Vous voyez un peu, qui est bien sûr, n'est-ce pas, le salut des âmes, aller libérer les âmes qui sont captives, qui sont enchaînées. Alors, on ne peut participer efficacement, n'est-ce pas, à l'œuvre de Yahweh, si d'abord nous-mêmes, au préalable, n'est-ce pas, on a laissé Yahweh guérir nos cœurs, nous transformer. Et c'est ce que, n'est-ce pas, Yéhoshua nous enseigne dans sa parole. Il dit, si tu te présentes devant l'autel, vois un peu, et que là tu te souviens que dans ton cœur, que tu as un problème avec ton frère, il dit, laisse d'abord l'offrande. Il faut laisser l'offrande, hein, et aller te réconcilier avec ton frère. Il y en a au sein de leur famille qui ne parlent plus à leurs parents, qui n'ont même plus le courage d'aller rendre visite à leur mère, à leur père. Vous voyez un peu? Voilà, soi-disant parce qu'on leur a dit que c'est des sorcières ou c'est des sorciers, ainsi de suite. Vous voyez, qui ne sont même plus, n'est-ce pas, en accord avec leurs parents. Mais qui vont donner des offrandes,
hein, qui paye les dîmes, qui donne les offrandes, et ça sautille, ça danse dans les assemblées. Mais alors que devant Yeshua, devant Yahweh, vous voyez, c'est des personnes qui ne sont pas agréables. Ça veut dire, peu importe le mal que tes parents t'ont fait, alors ce que la parole de Dieu nous demande, c'est d'aller faire la paix, c'est d'aller nous réconcilier avec eux, c'est d'aller faire la paix. Vous voyez, si de leur côté, ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, le pardon, alors toi, au moins, tu aurais fait ta part. Vous voyez, mais beaucoup de chrétiens restent figés, n'est-ce pas, dans leur position, soi-disant que non, j'ai été offensé, mes parents ont voulu me faire du mal, ils ont voulu me tuer, alors moi, alors il n'est pas question que je puisse pardonner. Or, en agissant ainsi, tu n'es plus, n'est-ce pas, dans la voie de Yahweh. Tu ne marches plus en accord avec l'esprit de Yahweh qui est en toi. Vous voyez, et c'est tout cela, n'est-ce pas, qui pousse à ce que nos prières ne soient pas efficaces, que nos prières ne soient pas exaucées. Alors, si nous avons besoin, n'est-ce pas, de recevoir le pardon de notre papa, alors comprenons aussi, en retour, nous devons aussi dégager le pardon. Nous devons aussi, n'est-ce pas, libérer le pardon, n'est-ce pas, dans notre cœur. Libérer le pardon dans notre cœur. Alors, et voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de laisser l'Esprit de Dieu, Yeshua, n'est-ce pas, guérir notre cœur. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, moi, c'est une histoire, lorsque je la médite le plus souvent chez moi, vous voyez, qui parle à mon cœur, vous voyez, parce qu'au travers de cette histoire-là, en fait, Yahweh révèle réellement l'état du cœur de l'homme. Combien de fois, n'est-ce pas, nos cœurs sont malades, nos cœurs sont méchants. Alors, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 23, alors la parole de Dieu dit, la parole de Yahweh nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Ici, ça c'est Yeshua lui-même, n'est-ce pas, qui nous raconte une histoire. Un roi, un puissant roi, n'est-ce pas, qui est l'image de Yeshua lui-même. Vous voyez un peu, et qui avait un serviteur, et ce serviteur-là, n'est-ce pas, était, lui devait, n'est-ce pas, une énorme somme, lui devait, lui était redevable. Alors, il va maintenant appeler ses serviteurs-là, n'est-ce pas, afin que le serviteur vienne rembourser, n'est-ce pas, sa dette. Et le serviteur va se rendre compte qu'il n'avait rien. Il va supplier son roi. Il va supplier son maître. Il va lui dire, maître, et pas sois patient envers moi. Pardonne-moi, je n'ai pas de quoi payer. Pardonne-moi. Et la Bible nous dit que le roi, ému de compassion, alors va non seulement pardonner, et ensuite il va remettre la dette du serviteur. Vous voyez un peu? Vous voyez combien de fois, n'est-ce pas, le cœur de notre créature est si grand. Vous voyez, Yeshua avait pardonné. Vous voyez, une fois de plus, comme ce soir. C'est que, ça veut dire que toi qui nous suis, toi qui suis cette émission, Retour à la parole aujourd'hui, en fait, ce n'est pas en vain que tu es capté, que tu suis cette émission. Certainement, tu te condamnes, tu te culpabilises. Alors, comprends que Yahweh veut te pardonner. Ton Créateur ne te condamne pas, il veut te pardonner. Alors, la parole de Dieu nous dit que le roi ému de compassion, verset 27, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Donc, il va remettre la dette, il va effacer sa dette. Vous voyez? Et regardons la suite. Regardons combien de fois, n'est-ce pas, nos cœurs sont malades. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ça c'est le serviteur qui vient à peine d'obtenir miséricorde. Le serviteur, n'est-ce pas, qui a reçu, n'est-ce pas, la faveur, les bienfaits de son roi, de son maître. Alors maintenant, lui en retour, regardons ce qui va se passer. Regardons un peu comment il va se comporter. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison
jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Que la parole de Yahweh soit bénie. Alors ça c'est vraiment une histoire, n'est-ce pas, qui est profonde, qui parle à mon cœur. Vous voyez, ici quelqu'un qui a obtenu miséricorde, que le roi, n'est-ce pas, qui est l'image de Yehoshua. Vous un peu, que Yehoshua a pardonné de tous ses péchés, de toutes ses dettes. Alors Yehoshua l'a pardonné et il lui a remis en liberté. Il lui a dit, va, n'est-ce pas, alors j'efface ta dette, va. Pourquoi? Parce que notre papa est ému, il est rempli d'amour. Alors ce qu'il veut, ce n'est pas la mort du méchant. Il veut, n'est-ce pas, plutôt que nous puissions revenir de nos mauvaises voies. Alors il va pardonner cet homme, ses serviteurs. Et en retour, le serviteur, lorsqu'il va croiser aussi son frère qui lui devait, alors lui, il ne va pas s'inspirer du modèle qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de son maître. Non, mais lui en retour, n'est-ce pas, il va laisser son cœur méchant s'exprimer, agir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va se retrouver, n'est-ce pas, devant son frère qui lui devait, alors lui, il va vouloir se faire justice. Il va dire, paye ce que tu me dois. Et l'autre en retour lui dira, non, s'il te plaît, sois patient, je n'ai pas de quoi payer. Patiente, accorde-moi encore un peu de temps. Alors il va refuser. Et la Bible nous dit qu'il va le prendre, il va le jeter en prison. Et jusqu'à ce qu'il va obliger à ce que l'autre lui paye la dette. Voyez, et quand des serviteurs du maître vont le voir agir ainsi, alors ils vont aller raconter toute l'histoire au maître. Frères et sœurs, alors parfois nous posons des actes, mais nous ne nous rendons pas compte que notre Créateur nous voit, Yahweh nous voit. Il voit tout ce que nous posons comme acte. Il regarde nos agissements. Il connaît tout ce que nous faisons. Alors, ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ce n'est pas plutôt, c'est pas qu'on se laisse emporter par le mal, mais c'est qu'on s'imprègne de son modèle. Regardons combien de fois, n'est-ce pas, nous avons péché. Et à chaque fois qu'on a eu à cœur de revenir vers notre papa, alors il a toujours été prêt à ouvrir ses bras, à ouvrir ses mains pour nous recevoir, pour nous pardonner, pour nous accueillir, avec beaucoup d'encouragement. Pourquoi nous, en retour, nous ne devons pas agir ainsi, n'est-ce pas, envers nos frères qui nous ont offensés? Oui, et Yahushua nous dit, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, donc Dieu, Yahweh, nous dit au verset 35, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera, si tu ne pardonnes pas ton frère de tout ton cœur, voyez un peu, il dit, nous devons pardonner, n'est-ce pas, de tout notre cœur. Donc ça veut dire que tu ne dois plus garder, n'est-ce pas, ne serait-ce que une petite blessure de l'offense que tu as subie, n'est-ce pas, venant de ton frère ou venant de ta soeur. Tu dois pardonner complètement. Tu dois pardonner. C'est vrai que ce n'est pas facile, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est possible. Si Yehoshua nous le dit dans sa parole, c'est qu'il nous a aussi donné la capacité de pouvoir pardonner. Comme lui, n'est-ce pas, il nous pardonne. Donc nous devons pardonner de tout notre cœur. Parce qu'il sait forcément qu'on aura besoin tôt ou tard de crier à lui. On aura besoin de crier à lui, n'est-ce pas, de crier à lui par rapport à nos vies, de crier à lui par rapport à nos familles, et de crier à lui aussi par rapport à la nation, parfois la nation dans laquelle nous sommes. Quand on voit les dérives, quand on voit le mal, hein, combien de fois les gens sont avilis, asservis, voyez, un peu par le mal. Alors on a besoin de crier, de prier pour et nous voulons voir notre Créateur agir. Nous voulons voir Yahweh agir. Mais comment est-ce que Yahweh va agir si déjà nous-mêmes, n'est-ce pas, nous sommes malades. Nous sommes malades. Voyez, donc nous devons pardonner de tout notre cœur. Et l'offense était un obstacle, n'est-ce pas, à l'exaucement de notre prière. L'offense est un obstacle, n'est-ce pas, à l'efficacité de notre prière. Vous voyez, si nous ne laissons pas, n'est-ce pas, le Seigneur guérir les offenses de notre cœur, les blessures de nos cœurs, alors nous ne pourrons pas prier efficacement. Et c'est un danger, n'est-ce pas, que beaucoup
d'enfants de Yahweh, n'est-ce pas, courent. Voyez, nous traînons tellement de choses dans nos cœurs. Nos cœurs sont parfois des prisons dans lesquelles, n'est-ce pas, nous gardons des gens, là, des gens engloutis. Voyez, les membres de nos familles, voyez, les membres de l'église, voyez, parfois nos collègues, parfois, voilà, nous gardons des gens dans des prisons, dans les prisons de nos cœurs. Alors, ce soir, Yehoshua veut libérer ton cœur. Yehoshua veut rendre libre toutes ces personnes, n'est-ce pas, que tu as pu garder depuis longtemps dans ton cœur. Des gens qui t'ont blessé. Certainement tu as subi un viol. Certainement tu as subi une injustice. Certainement tu as subi des calomnies, des injures. Vous voyez, tu as été méprisé. Vous voyez, parfois, les familles sont devenues aussi, n'est-ce pas, des centres de destruction où des enfants sont détruits par les paroles de leurs parents, par des comportements assez mal déplacés des parents. Des cœurs sont détruits, des cœurs sont abîmés. Mais Yehoshua veut guérir ton cœur. Yehoshua veut réparer nos cœurs. Voilà, parce qu'au travers de nous, n'est-ce pas, il a un plan à accomplir. Le plan de quoi? Le salut des âmes. Il veut sauver les âmes. Et il se sert des hommes aussi, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Et il compte sur toi et il compte sur moi. Alors voilà pourquoi, n'est-ce pas, on a besoin de nous examiner. Vous voyez, avant de prier, avant de crier à Dieu par rapport au salut des membres de ta famille. Mais combien de membres de ta famille gardes-tu dans ton cœur? Combien de gens dans ta famille à qui tu n'adresses plus la parole? Que tu as même parfois du mal à rendre visite. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu es blessé. Vous voyez, tu ne peux pas voir ces personnes-là être touchées. Vous voyez, on crie à Yahweh, on crie, mais on a du mal à voir Yahweh agir. Mais pourquoi? Mais c'est parce que nous-mêmes, nous sommes aussi des obstacles à l'action de Yahweh. Ouais, il veut travailler. Mais Yahweh ne travaille pas avec des vases souillés, avec des personnes malades. Alors, il veut d'abord nous guérir. Et c'est des choses que nous ne comprenons pas. Et à un moment donné, n'est-ce pas, la prière devient comme une pénitence. Beaucoup de chrétiens ont du mal à prier parce que leurs prières sont difficilement exaucées. Et ils se disent, non, c'est les démons qui font ainsi de suite. Non, ce n'est pas forcément les démons. Mais regardons l'état de nos cœurs, examinons-nous. Paul dit, si nous nous examinons, nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Nous devons nous examiner, nous remettre en cause. Regardons un peu l'état de notre vie. Quel est l'état de ton cœur? Combien de personnes, n'est-ce pas, sont tenues captives dans ton cœur? Alors nous avons besoin, n'est-ce pas, de les libérer. Ouais, de les libérer. Voyez un peu? En nous soumettant tout simplement à la parole de Yahweh. Et c'est alors que nous allons voir, n'est-ce pas, des chrétiens prier, des chrétiens influencer, des chrétiens, n'est-ce pas, prier et voir, n'est-ce pas, nos prières libérer les autorités, libérer les membres de famille, n'est-ce pas, toucher, n'est-ce pas, les responsables d'établissement. Parce que, vous voyez, nous sommes arrivés à un temps où même les professeurs, n'est-ce pas, ont perdu le fil. Les professeurs, n'est-ce pas, qui font la cour à leurs élèves. Les professeurs, n'est-ce pas, qui menacent les élèves parce qu'ils veulent aller avec elles. Voyez un peu, ils menacent, qu'ils donnent des sous-moyennes, des intimidations. Vous voyez, le monde va mal. Le péché a tellement captivé l'homme que l'homme aujourd'hui, n'est-ce pas, parfois, on ne sait plus ce qui est. Il ne sait plus là où il se trouve. Et ces personnes-là ont besoin d'être libérées. Il faut que la puissance, n'est-ce pas, du nom de Yehoshua soit libérée, n'est-ce pas, dans les cœurs des véritables enfants de Dieu pour que ces forteresses qui lient les personnes soient ébranlées. Alors, frères et sœurs, ce soir, Yehoshua, n'est-ce pas, a parlé à nos cœurs. Alors, comprenons, n'est-ce pas, que le Seigneur veut une église qui prie. Une église qui prie et une église qui s'élève comme des sentinelles pour intercéder, afin que les âmes soient libérées, afin que nos pays soient libérés de l'esclavage, n'est-ce pas, du péché, afin que nos autorités soient libérées. Vous voyez? Alors, il faut que l'église prie, mais pour que l'église prie et que ces prières soient agréées, n'est-ce pas, soient agréables devant notre Créateur, notre Dieu Yahweh, voyez un peu, il faut, n'est-ce pas, que nos cœurs soient guéris, nos cœurs soient restaurés. Alors, bien-aimés, ce soir, je nous invite tous, n'est-ce pas, à nous examiner. Ne nous condamnons pas.
Ça veut dire, la parole de Dieu ne soit pas dans le but de condamner, mais c'est plutôt sur apporter la solution. Si depuis un moment, nous avons constaté que nous prions et que nous ne voyons pas le résultat de nos prières, alors remettons-nous en cause. Ouais, puis, ce n'est pas forcément la cause des démons. Ce n'est pas forcément la cause des sorciers. Mais c'est aussi dû à l'état de nos cœurs. Vous voyez, la parole de Yahweh nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Vous voyez, c'est Yahushua regarde l'état de ton cœur. Notre Créateur regarde l'état de notre cœur. Alors, c'est dans l'amour que nous allons voir la puissance de Dieu se manifester. Un cœur qui ne manifeste pas l'amour ne peut pas vivre pleinement la puissance de Yahweh. Ce n'est pas possible. Et un cœur qui manifeste l'amour, c'est aussi un cœur qui s'est pardonné. Alors, frères et sœurs, toi qui as certainement du mal à pardonner, toi qui as été blessé, toi qui as subi des injustices, alors je t'invite ce soir, n'est-ce pas, à te remettre en cause, à aller dans la présence, n'est-ce pas, de ton Créateur, avant de lui demander quoi que ce soit. Dis, Seigneur, je reconnais que j'ai un cœur malade, je reconnais que j'ai du mal à pardonner à mon père, parce que mon père m'a renié, mon père m'a abandonné, j'ai du mal à pardonner à ma mère, j'ai du mal à pardonner à mon frère, parce qu'ils m'ont rejeté. Ouais, un peu comme Joseph qui avait été rejeté par les membres de sa famille. Et vous avez vu combien de fois, n'est-ce pas, à la fin, le Seigneur a su restaurer Joseph. Parce que Joseph a su garder la bonne attitude. Joseph a su rester, n'est-ce pas, attaché aux valeurs, aux principes divins. Il a su garder, n'est-ce pas, les instructions de Yahweh dans son cœur. Et Yahweh a fini par le restaurer. Vous savez, la parole de Yahweh nous dit qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. Vous voyez, la parole de Yahweh, n'est-ce pas, finit toujours par triompher. Toujours par triompher. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous devons nous efforcer à nous conformer aux Écritures. Si les Écritures nous demandent de pardonner, frères et sœurs, pardonnons, ne raisonnons pas. Parce que il en va de notre bien-être. Il en va, n'est-ce pas, aussi des résultats que nous voulons recevoir ou encore voir, n'est-ce pas, venant de notre Créateur. Nous voulons voir notre Créateur agir. Alors, laissons aussi, n'est-ce pas, notre Créateur guérir nos cœurs. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si on a un cœur, si nous avons des cœurs malades, alors, en retour, nous aurons aussi, n'est-ce pas, des cieux des prières qui ne pourront pas être exaucées par Yahweh, par notre Créateur. Alors, examinons-nous, remettons-nous en cause. Il faut que l'Église s'élève. C'est le temps où l'Église doit s'élever. C'est le temps où l'Église doit intercéder. C'est le temps où l'Église doit prendre sa position. Parce que le monde va mal. Yahweh veut agir. Yahweh veut sauver. Mais Yahweh ne peut pas utiliser une Église malade. Une Église qui est impactée par les blessures de cœur. Une Église, n'est-ce pas, qui se livre au péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors voilà pourquoi nous devons changer nos mentalités. Nous devons changer notre façon de concevoir les choses. Nous devons revenir, n'est-ce pas, aux Écritures. Un peu d'où, n'est-ce pas, l'importance de cette émission, bien sûr, le retour à la parole. Ça veut dire revenir sur le fondement qui est Yahushua Mashiach. Le fondement, la parole de Yahweh, la parole véritable. Laisser d'abord cette parole à produire, n'est-ce pas, dans nos cœurs, son effet. Nous guérir, nous transformer. Et ensuite, n'est-ce pas, aller sur le champ, n'est-ce pas, de la bataille. Et nous allons expérimenter des victoires. Parce que notre Dieu veut sauver, notre Dieu veut libérer, notre Dieu veut guérir, notre Dieu veut restaurer des familles, notre Dieu veut restaurer des couples, notre Dieu veut restaurer des vies. Et ce n'est pas, n'est-ce pas, l'Église que Yahushua, n'est-ce pas, veut opérer ou encore veut faire toutes ces choses. Alors, d'où, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de revenir aux Écritures. D'où, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, de partager ces enseignements comme ce soir. Un peu l'importance de la prière, l'efficacité de la prière, n'est-ce pas, en laissant, n'est-ce pas, Yahweh guérir nos cœurs. Merci encore pour tous ceux qui ont suivi cette émission, n'est-ce pas, retour à la parole. Je crois que ce soir, Yahweh a parlé à nos cœurs, n'est-ce pas, non seulement à ton cœur, mais aussi à mon cœur, bien sûr, parce que nous aussi, n'est-ce pas, moi aussi j'ai besoin de Yahweh. On a besoin davantage, n'est-ce pas, de grandir avec notre Créateur. On veut marcher avec lui, nous voulons expérimenter, nous voulons vivre des exploits avec notre Créateur. Alors donc, quand Yahweh parle, ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour nous tous. Alors, ce soir, Yahweh nous a encore parlé, et ma prière, frères et sœurs, c'est que nous restons, n'est-ce pas, attachés à la parole de Yahweh et que cette parole, n'est-ce pas, puisse porter son fruit. Alors, soyez encouragés, soyez bénis
que Yahweh vous fortifie, que nous sortons des systèmes établis par les hommes, que le diable ne nous trouble pas en nous donnant des espérances, un espoir faux, en pensant que avec des cœurs malades, avec des cœurs remplis de méchanceté, de haine, de jalousie, avec des cœurs remplis de blessures, nous allons expérimenter la gloire de Yahweh. Non, c'est pas possible. Alors laissons Yahweh guérir nos cœurs, laissons Yahweh nous transformer, alors et nous serons une église efficace, et nous serons, n'est-ce pas, les hommes et les femmes que Yahweh pourra utiliser, n'est-ce pas, pour l'avancement de son œuvre. Que Yahweh vous bénisse. Et que vous soyez fortifiés, et surtout, n'est-ce pas, que cette parole qui a été libérée une fois de plus ce soir, n'est-ce pas, porte des fruits, n'est-ce pas, dans vos cœurs. Paix et grâce, que la gloire revienne à Yahushua, et que son nom soit béni. Amen.